Parallèlement à la mission de suivi des eaux continentales, le satellite SWOT va poursuivre la mission des satellites Jason. Il observera la circulation océanique avec une vision bidimensionnelle et une résolution améliorée d'un facteur 10. Les données de hauteur de mer recueillies sur un passage SWOT de pôle à pôle constituent un produit unitaire océan. Il est constitué de deux bandes latérales appelées fauchées de 58 km de large et des données nadir au centre de pôle à pôle. Les produits de niveau 2 ont une résolution de 2 km par 2 km. Si chaque fauchée a une largeur de 58 km, la qualité de la donnée se dégrade sur les bords. L'erreur due au bruit généré par la mesure instrumentale reste inférieure à 2 cm entre 10 et 60 km. Des produits de niveau 2 experts seront également distribués avec une résolution de 500 mètres par 500 mètres et un niveau de bruit plus important. L'erreur sur la hauteur de mer atteint 4 cm au centre de la fauchée et jusqu'à 10 cm sur les bords. Chaque produit océan sera accompagné des données auxiliaires nécessaires au traitement par les utilisateurs. Informations géographiques, correction de propagation et du biais instrument, données géophysiques et météorologiques.